Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va travailler un cours de lecture qui concerne le chapitre 13, bien sûr, du dernier jour d'un condamné pour les élèves de la première année baccalauréat avec le professeur Karim Ziani. Avant de commencer, je vais vous dire une chose très très importante avant de regarder ce travail ou bien de suivre les étapes de ce cours. Il faut lire et expliquer les mots du chapitre numéro 13. En commençant par j'ai ouvert les yeux, je pense, jusqu'à porte au pluriel, porte avec S à la fin. Vous n'allez pas lire tout le chapitre, mais seulement le passage en question. Commençons par identification. Alors, c'est quoi le genre de ce chapitre? Ou bien de c'est un extrait de quel genre? L'œuvre? Le sous-genre, le type, la focalisation, le lieu et le temps. Alors, parlons du genre. On connaît bien sûr les genres principaux. On peut dire théâtre, roman et poésie. Sous-genre, c'est comme la boîte à merveilles. On a genre roman, sous-genre autobiographique, etc. Type et focalisation autre. Alors, j'espère que vous avez trouvé les réponses. Je passe. Alors, le genre, le grand genre, c'est le roman. Le sous-genre, c'est roman à thèse, comme dans La Boîte à Merveilles, il y a roman autobiographique. Le type de ce passage, c'est narratif descriptif. La focalisation, c'est interne. Pourquoi? Parce que le narrateur, c'est lui-même le personnage principal. Le lieu, c'est le palais de justice. Et le temps, c'est il n'y a pas d'indication temporelle précise. Très bien. Alors, pour la situation du passage, après avoir été transféré au palais de la justice, le narrateur rencontre l'autre condamné qui occupera sa cellule. C'était le frioche, fils d'un condamné à mort déjà exécuté. Ce dernier, en attendant d'être transféré à Bicêtre, s'apprête à raconter son histoire. Alors ça, c'est la situation de passage que j'ai écrit ou bien que j'ai posté ici pour vous. Et vous pouvez faire d'autres situations de passage en la divisant sur trois parties. Une phrase en général, c'est un extrait du roman à thèse écrit par Victor Hugo intitulé Le dernier jour d'un condamné. Et deuxième partie, il faut citer un événement avant. Alors, par exemple, le narrateur vient d'être transféré au palais de justice. C'est un événement très récent par rapport à ce passage. Et dernière chose, on peut dire que dans ce passage, troisième partie, dans ce passage, le condamné rencontre un nouveau condamné à mort. Très bien. On passe. Axe de lecture. Alors, je vous propose deux axes, le portrait du frioche et le récit dans le récit, ou bien l'histoire dans l'histoire. Commençons par l'axe numéro 1, le portrait du Frioche. Alors, qui est le personnage décrit? Bien sûr, c'est le Frioche, c'est le nouveau condamné. Alors, nous allons voir le portrait physique et le portrait moral. Vous pouvez faire pause à la vidéo et essayer de faire un tableau dans lequel vous allez faire portrait physique et portrait moral du Frioche. Alors, oui, vous avez dégager quelques, j'espère, quelques mots en relation. Portrait physique, c'est un homme âgé de 55 ans, moyenne taille. Alors, les informations que vous voyez ici, ce sont des informations tirées, bien sûr, du passage en question. D'accord? Alors, ça, c'est le portrait physique et ça, c'est le portrait moral. C'est bon? Alors, âgé de 55 ans, moyenne taille, ridé, voûté, grisonnant, cheveux, ça veut dire grisonnant, ça veut dire des cheveux gris, blancs et noirs, membres trapus, courtes, des yeux gris, sales, en guenilles, demi-nus, etc. Alors, son regard louche, un rire amer, je voulais être honnête homme, etc. Alors, ça, ce sont les éléments qui décrivent le frioche. Et frioche, ça veut dire condamné à mort, mais ça s'inscrit dans le langage familier.
Alors, comment trouvez-vous le portrait physique? Oui, alors je vais vous donner un peu de temps à répondre à cette question. Alors oui, c'est dévalorisant, c'est négatif, c'est dégoûtant. Alors c'est quelque chose qui est repoussant à voir, etc. Deuxième question, quelles sont vos impressions à propos du portrait moral? Est-ce que le frioche est vraiment une mauvaise personne? Oui, et je vais souligner mauvaise personne. Est-ce qu'il est une mauvaise personne? Il est né mauvaise personne? La réponse est, c'est un criminel, oui, pauvre, sale, habitué au cachot, ça veut dire il a passé pas mal de fois à la prison, et, mais il a un bon cœur. Et dans le texte, il a dit, je voulais être un homme honnête, victime de la société. Très bien. Alors, synthèse partielle de cet axe de lecture. Physiquement, le frioche est un vieux condamné. Oui. Dégoûtant, ça est sale. Mais le portrait moral dévoile au lecteur qu'il a un bon cœur et qu'il est honnête. Et on va souligner honnête, bon cœur. C'est la négligence de la société qui a fait de lui un criminel. Alors ça, c'est la cause. La cause, c'est la négligence de la société. Donc si cette personne a été adoptée par quelqu'un, ou bien alors il avait des parents, etc., et il n'aurait pas tombé dans la même situation. Axe numéro 2, le récit dans le récit. Alors, qui parle dans ce passage? Oui, c'est le narrateur, le condamné à mort. Mais parfois, alors au début, c'est le narrateur, notre condamné à mort, le narrateur. Et il y a le frioche qui commence à parler avec je. Oui, alors lisons ensemble le passage. Je sais, je ne sais à quoi je pensais, mon héritier. Alors ici, le je remplace le condamné. Le condamné, bien sûr, le premier condamné, pas le frioche. Alors, qui parle dans ce passage? Le condamné à mort, personnage principal du roman. Alors, on peut relever, bien sûr, du texte le je, mais, mon, etc., du texte, quelques phrases. Vous pouvez faire pause. Alors, prenons le passage qui débute par voilà mon histoire à moi. Alors, ici, mon histoire à moi, ce n'est pas le condamné qui parle. Ce n'est pas notre condamné, le narrateur, mais c'est le frioche. Donc, il y a. Alors, qui parle dans ce passage? Est-ce que c'est le narrateur? Non. Ce n'est pas toujours le narrateur qui parle, c'est le frioche. Bravo. Alors, le récit dans le récit, toujours. Alors, c'est l'histoire dans l'histoire, le récit dans le récit, c'est l'histoire d'un frioche, un condamné à mort, dans celle du narrateur. Donc, une petite histoire du frioche dans la grande histoire du condamné à mort. C'est un narrateur momentané. Ça veut dire il raconte son histoire dans une courte durée, bien dans un passage qui est très court. Le personnage principal s'efface pour céder la parole au nouveau condamné. Donc, il y a le jeu du condamné qui s'absente et il y a un nouveau jeu, c'est le frioche qui raconte une histoire dans la grande histoire. Toujours dans le deuxième axe, pourquoi le narrateur laisse-t-il le nouveau condamné raconter son histoire? Oui, pourquoi? Bien sûr, pour émouvoir le lecteur et susciter la pitié de son interlocuteur. Ici, alors, est-ce que c'est persuader ou convaincre? C'est surtout persuader, bien sûr, pour toucher les sentiments des lecteurs. Alors, donner des exemples. À 6 ans, je n'avais ni père ni mère. Il était orphelin. Alors, ça, c'est un argument. Alors, qui est le niveau de langue utilisé dans le premier récit? Oui. Alors, c'est le niveau soutenu. C'est le condamné qui parlait. Et le niveau de langue de le deuxième récit, c'est le familier, l'argot de la prison.
Même le condamné, notre condamné, ne comprenait pas quelques termes comme frioche. Il a demandé à ce personnage d'expliquer ça veut dire quoi frioche, parce que c'est un langage qui n'est pas connu pour lui. Oui, alors la différence entre les deux niveaux de langue, que montre-t-elle? Oui, le condamné est une personne éduquée. Notre condamné, ça veut dire le condamné de Victor Hugo. Le frioche est une personne sans éducation vulgaire. C'est ça la différence entre les deux condamnés. Le frioche est notre condamné. Comment trouvez-vous les phrases? Alors, des phrases courtes, rapides, successives, un homme sans style, sans éducation. Et on parle ici de qui? Est-ce du condamné ou bien du frioche? Ici, courtes, rapides, successives, c'est le frioche. D'accord? Alors, pour ne pas tomber dans... Alors, ça, c'est... Le style de qui? C'est le style de Monsieur le Frioche. Quels sont les temps verbaux dominants? Vous pouvez revenir toujours au passage et regarder, faire un tour pour répondre à cette question. Alors, l'imparfait, passé composé et passé simple. Alors, ici, dans ce tableau, vous avez le récit 1, c'est le narrateur. Personnage principal, et ici c'est le frioche. D'accord? Alors l'énonciation. Alors c'est la grande histoire, le récit 4. Le narrateur s'efface pour laisser la place au deuxième. Alors dans le deuxième côté, alors c'est la petite histoire. Où est le curseur? Alors ici la grande histoire, ici la petite histoire. Niveau de langue ici soutenu. Et parfois courant, ici toujours un langage familier. Ça veut dire que c'est un homme éduqué et celui-là, c'est un homme sans éducation ni enseignant. Alors les temps verbaux, passé composé, imparfait, passé simple, même chose ici. Alors construction des phrases, celui-là il utilise des phrases longues, par contre phrases ici rapides, complexes, abrégées, bien structurées. Alors des phrases bien structurées, ici non. Des phrases successives, ça veut dire oui, qu'il est un homme illettré, sans style. Mais par contre, notre condamné, c'est un homme bien et qui sait bien parler. Il a un style éloquent. Synthèse partielle numéro 2 du deuxième axe, bien sûr, l'histoire dans l'histoire. Le narrateur cède la parole au frioche pour raconter son histoire. C'est un récit enchâssé. Ça veut dire l'histoire dans l'histoire. C'est l'histoire dans l'histoire, c'est le récit dans le récit, c'est l'histoire d'un frioche dans celle du narrateur. C'est un narrateur momentané. Ça veut dire qu'il ne va pas durer à parler de son histoire. Il parle un moment et il quitte le récit, bien sûr. Pas quitte le récit, mais il s'absente. Le personnage principal s'efface pour céder la parole au nouveau condamné, pour émouvoir le lecteur et susciter sa pitié. Et ça entre aussi, toujours dans de convaincre plutôt les lecteurs à abolir cette peine de mort. Alors, nous sommes arrivés à la fin. C'est la synthèse globale ou bien la synthèse générale. Alors, dans ce chapitre, le narrateur relate sa rencontre, ça veut dire raconte sa rencontre avec le frioche. Il nous présente son portrait physique et moral. Le frioche prend l'initiative et raconte sa propre histoire. Il s'agit donc d'une technique de narration appelée la mise en abîme, puisqu'il y a un récit enchâssé dans un autre. Alors, je vous remercie infiniment pour votre attention. J'espère que vous avez bien profité de cette séance de lecture. Alors, n'hésitez pas à visiter mes sites web françaismaroc.com, profziani.com et mon compte Instagram profziani. Vous n'allez qu'à écrire profziani sur Instagram et mon compte Facebook si vous voulez que je vous réponde à quelques questions. Merci infiniment et on se voit dans une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Merci.